Ah oui, c'est... On est six comme des sardines, wesh. Wesh la famille. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo favori. On va vous présenter toutes les quatre, trois favoris, que ce soit beauté, random, enfin bref, nos favoris du moment. Donc moi, le premier favori que j'ai à vous montrer, ce sont des favoris en fait que j'aime d'amour, c'est du make-up. C'est ces deux rouges à lèvres veloutés sans transfert de chez Sephora. Donc il y a le Red Always, un rouge pétant que j'ai sur les lèvres que je trouve juste trop beau. Et tu vas trop bien. Ouais, Ouais, franchement, pour les beaux blacks, franchement, ça fait. Ouais, franchement, je le trouve vraiment confortable à porter. Et le second, c'est le Black Cherry, donc c'est vraiment mon favori. Parce que celui-là, il passe partout. Moi, mon premier favori, c'est celui-ci. Donc, c'est un fond de teint, bien sûr. Parce que moi, pour moi, le teint, c'est super important. Et donc, c'est le Je mets Maybelline, le Fit Me, en teinte 360. Donc, c'est la référence Mocha. Donc, c'est le format en poudre. J'avais déjà le format en fond de teint fluide. Mais je trouve que c'est bien pour l'été, comme on transpire pas mal, de pouvoir mettre en fait de la poudre, voilà. Donc moi j'avais acheté à LA, pas trop cher. Ah, mais c'est dommage parce que du coup les teintes ici, ouais, c'est ce que je disais, les teintes, il n'y a pas de teintes ici. Bah ouais, malheureusement c'est ça en fait. Moi j'ai présenté un parfum, parce que moi j'adore parfumer. C'est un parfum pas cher de chez Yves Rocher, au thé vert. Je trouve qu'il est très bien pour la saison. Je vais faire sentir aux filles, mais il est très estival. Ah, il est frais. Thank you. Et franchement, moi c'est mon coup de cœur. Ah, j'adore. Il est pas forcément. Il est vraiment doux. Ouais. Et frais mais sucré. Ouais. Enfin, c'est ça. Mon premier favori d'été, c'est ma petite enceinte musicale. Parce que pour moi, été, c'est fiesta, musique, rigolade, cool party. Mm-hmm. Et c'est ma petite enceinte comme ça. Elle est toute rose, toute pinky, que j'adore. Et bah, en fait, il y a une petite ventouse, donc on peut la mettre aux piscines, dans la douche. Oh ouais, ça c'est pratique. Ouais. Oh, non, et du coup, on peut même décrocher le téléphone avec quand on se met en Bluetooth comme ah ouais, ça. Ah ouais, tu l'as eu celui-là. Amazon. Il coûte 5,95€. Moi, mon second favori, c'est cette paire de lunettes toutes noires rondes parce que j'adore les lunettes en forme ronde. Et bah, elle vient de chez AliExpress, je l'ai eu pour 2€ à tout casser. Les copines. Et j'amuse trop, ça fait ouais, plus d'un an que je les ai. Je peux l'essayer moi. Franchement, elle bouge pas, hein. J'aime trop. C'est ouais. Sympa. C'est vrai, c'est sympa. Ouais, ouais. Jamais pris des lunettes rondes. Moi, j'aime bien, ouais. Un petit côté anglo-saxon. Ça doit être un peu par le Celta. Yes. Ouais, tu vois, c'est pas mal. Hein. Ouais, mon deuxième favori, c'est un vêtement. Donc c'est cette petite combi. J'aime bien faire coudre des vêtements en wax avec l'inspiration. C'est quoi le wax? Le wax, en fait, c'est l'imprimé en fait qu'il y a sur ce vêtement. C'est un tissu africain. Donc moi, pareil. Quoi. Voilà, pareil. Une paire de lunettes de chez AliExpress. Pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne, j'achète beaucoup sur AliExpress. C'est pareil, des lunettes que j'ai achetées l'année dernière, je crois. Pareil, j'ai payé 3 ou 4 euros franchement et elles sont super belles, je vous montre. Et franchement, elles tiennent super bien. Ah ouais, voilà. Ouais. Après, niveau protection solaire, par contre, je ne veux pas m'engager. Si vous devenez aveugle, là, faut pas dire. Mon deuxième favori, c'est un parfum. Donc, c'est une brume de chez Victoria's Secret. Et c'est ma brume coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Chouchou là. Plus. D'ailleurs, j'utilise que l'été, c'est comme ça qu'elle est un tout petit peu consommée parce qu'une fois que l'été est terminé. Je la range. La rose, vanille. Ouais, ça vanille et caramel. Parce que moi j'avais acheté et je trouvais que les brumes, sincèrement, elles restent pas longtemps sur la peau. Donc moi mon dernier favori, c'est ma petite pochette de chez Louis Vuitton, voilà. Excusez-moi. On est pas du même monde. Est-ce que je peux pleurer? Je trouve qu'elle est vraiment mignonne. Elle est classe. Ouais, elle relève une tenue simple. Moi ce genre de truc, je trouve ça super beau, mais j'aurais trop peur qu'on me le. Mais moi je trouve que l'été c'est super pratique parce que c'est petit, t'as jamais de grands sacs, ouais, de machin, voilà, t'as pas besoin c'est super cool. Tu mets les essentiels et puis let's go quoi. C'est clair. Bon bah voilà, moi mon dernier favori, pareil comme d'Alice,
c'est une brume. J'aime trop les parfums. Il a un côté les parfums un peu de, tu vois, de l'amour. C'est ça. Ah, de la séduction, il me semble qu'il y a de la menthe dedans, comme ça. Ouais, c'est une pure séduction. Pêche, non ? Ouais. Ça m'a trop attiré. Le prix initial c'était 18$, mais quand j'étais partie en fait, il y avait une grosse réduction, donc j'ai que pour 4$. Donc là, waouh, ça c'est la merde. Dernier produit, donc c'est le gel d'aloe vera. C'est un gel naturel issu d'une plante. Et pour l'été, en tout cas pour moi, pour l'été, tout ce qui est saison chaude, je trouve qu'il est vraiment pas mal. En hiver, je mange avec un peu d'huile. C'est pas un truc girly quoi. Si c'est, voilà, c'est vraiment un truc, c'est pour hydrater votre peau. Si vous avez la peau sèche, je vous conseille de mettre avec un petit peu d'huile. Vous maquillez juste derrière. Si vous avez la peau grasse, soit vous le mettez sans nu. Soit vous le mettez avec une crème également. Et moi, généralement, je mets dans le frigo. Donc après, je le mets dans le frigo. Ouais, ça se met sur le visage. Et franchement, ça rafraîchit. Et ça a plein de vertus en plus. Exactement. C'est un des produits à voir en fait dans sa salle de bain. Ouais, tout à fait. Franchement, Un indispensable. Donc, c'est le Perfetto de chez Guerlain. Donc, c'est un rouge à lèvres. Le raisin a l'air noir, mais en fait, c'est transparent. Oh, d'accord. Et en fait, il sent la petite robe noire. Et il est super top. Et le but, en fait, de ce rouge à lèvres, c'est comme un Perfetto le vêtement, c'est de le mettre par-dessus quelque chose d'autre pour rehausser un peu la couleur de notre rouge à lèvres. Donc c'est plutôt dans les tendances nude. Et ça, je peux sentir nude. Ah ouais, c'est vrai, ça sent bon. Donc voilà pour nos favoris. Ouais. On espère vraiment que la vidéo vous a plu. Bah ouais, en tout cas nous elle nous a vraiment plu. Ouais, on a pu découvrir un petit peu les favoris de tout le monde et puis découvrir entre nous des nouveaux produits. Ouais. Et c'était pas mal du tout. Et ça c'était sympa. En fait. Voilà. Peut-être que vous aussi vous utilisez des produits que nous on utilise, donc faites-le nous savoir en commentaire. Voilà, bah n'hésitez pas à vous abonner. Restez connectés tous les dimanches 14h. Voilà. N'hésitez pas à les checker nos réseaux sociaux, Twitter et Insta. Ciao la famille.